là, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, j'y vais super bien. Donc aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci, c'est une vidéo de coiffure. C'est un partenariat avec My First Wig. Donc j'ai choisi cette perruque parce que j'aime bien les cheveux bouclés. Je trouve que ça fait naturel. Et les cheveux, ils sont vraiment pas mal. La qualité, elle est vraiment bien. Et vous n'avez même pas décoloré la tulle. Moi, je ne l'ai même pas décolorée. Elle est pré-customisée. Donc, vous n'avez même pas à la customiser si vous voulez la laisser telle qu'elle est. Moi, je l'ai customisée vite fait. Vite fait. Et franchement, vous n'avez même pas besoin de le faire. Et la tulle, elle est transparente. Donc, pour les débutantes, c'est vraiment pas mal. Donc, voilà. Et vous avez un élastique adapté pour... vous pouvez serrer, vous avez plusieurs niveaux. C'est comme les fermetures d'un soutien-gorge. Donc vous pouvez régler en fait. Donc je vous laisse regarder la vidéo jusqu'à la fin et on se retrouve tout de suite après. J'ai customisé la tulle hors caméra. Donc je l'ai fait plusieurs fois sur d'autres vidéos. Si vous voulez voir comment on fait, vous avez juste à voir les vidéos que je vous mettrai à la fin de la vidéo. Donc comme vous l'avez vu, je ne l'ai pas décoloré, j'ai juste dégarni vite fait les mèches et là ils sont mouillés. J'ai vaporisé de l'eau et un démêlant pour les cheveux bouclés. Donc là, vous voyez à l'intérieur, c'est une lace frontale. C'est pas une full lace, c'est une lace frontale. Et là, vous avez un élastique que vous pouvez régler. Donc, vous avez des attaches. Vous réglez selon la taille de votre tête. Comme vous l'avez vu, la tulle, elle est transparente. Donc là, je l'ai posé comme ça pour vous montrer que c'est vraiment transparent. Si vous êtes plus foncé que moi, vous pouvez mettre votre propre fond de teint. Comme ça, on ne verra pas la démarcation. Sinon, si ça correspond à votre couleur de peau, vous le laissez comme ça. Donc là, j'utilise un démêlant. Donc c'est un démêlant qui vient de chez Babou. C'est la marque Biphase. Vous pouvez le trouver sur internet ou chez Babou. Ça coûte 3 € ou 2,50 €, je ne sais plus. Donc là, je procède au découpage de la tulle. Donc je prends des petits ciseaux que j'utilise pour les sourcils. Donc, ne coupez surtout pas droit la tulle, il faut faire des zigzags. Vous coupez pas droit parce que sinon c'est ça se voit trop. Après, on voit facilement la démarcation. Quand vous la posez, on voit facilement la tulle. Donc si vous faites des zigzags, ça va se fondre plus naturellement et en même temps ça va pas faire droit comme ça. Droit, c'est tout, ça fait pas joli en fait. Donc je vous conseille de pas couper droit. Et là, je prends mon Go To Be, le spray, parce que je garde pas longtemps la perruque, donc je préfère utiliser Go To Be vu que ça part à l'eau.
Donc, comme vous l'avez vu, j'ai mis trop de colle en dehors de la tuile. Et du coup, je nettoie parce que sinon, ça va faire des traces blanches. Donc, on verra si vous laissez sécher comme ça, on verra la colle en fait. Donc, vaut mieux bien nettoyer si ça déborde. Je prends mon peigne à queue et je prends quelques mèches en fait pour bien coller et éviter aussi qu'on voit en fait, donc on voit la tuile et bien plaquer en fait pour cacher le début de la tuile. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais pour pas qu'on voit la tuile en fait. Là, je mets mon bandeau que je vais bien serrer et laisser poser le temps de m'occuper des cheveux, de mettre les produits, ce que vous voulez, comme ça ça va poser au moins 15, enfin 10 minutes à peu près. Et ce que j'avais mis juste avant, c'était de l'eau, je l'ai mis dans une bouteille et j'ai vaporisé pour avoir des boucles bien définies. Voilà, j'ai fini la pose. Là, je prends mon fond de teint, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, pour m'aider encore à cacher bien la tulle. Et là, c'est fini. Vous pouvez me laisser vos questions en commentaire. Je vous répondrai comme d'habitude avec plaisir. Et dites-moi en commentaire quel genre de vidéo aimeriez-vous voir sur ma chaîne. Comme ça, ça me donnera une idée des vidéos à faire prochainement. Je sais que vous n'aimez pas les pranks. Parce que celui de la dernière fois, vous étiez tous d'accord pour pas que je la publie. En même temps, je vous comprends, hein, vous avez raison. Je sais que vous auriez pu me dire oui, vas-y, publie-la et tout, mais vous êtes vraiment vrai en fait. Vous êtes, c'est une preuve en fait du fait que vous êtes bienveillant envers moi et que vous vous mettez à ma place en fait. Restez comme vous êtes, je vous aime, ne changez rien. C'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à partager, liker, commenter. Et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous. Je vous aime. Ciao, ciao.